Eh bien alors, dis-le-moi. Si je te le dis, tu vas te moquer de moi. Je te promets de pas rire, fais-moi confiance. Eh bien, je suis stripteaseuse dans un bar. Stripteaseuse? Mais t'as même pas de nichon. Et alors je gagne beaucoup d'argent. Tu es stupide, ma vieille. Oh! C'est quel génégus, t'es là! Beau chapeau. Merci! Ben, j'étais juste sarcastique. Viens, moi j'ai volé ta face. Ça fonctionne! La machine temporelle fonctionne! Je suis un stégosaure! Bon, après, faut dire que pour Nora, c'est un petit peu fait exprès, mais bon. Ici, on a la maison de Christine, donc elle est toute seule dans son coin. Bon, il y a la maison de Macaron à côté d'elle, donc elle est pas trop toute seule non plus. Mais tiens, voilà Joachim. Joachim. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que j'ai avec son prénom, lui? Regardez! Regardez ses yeux! Je dis, il a un tic, je crois. Mon dieu, le pauvre. J'ai même. Bah, je vais peut-être lui parler quand même, mais franchement... Là, on a... Je crois que c'est Martin qui s'appelle. Oh, peu importe. J'ai pas envie de parler aux habitants. Un pont. Avec les buissons... un peu réservant, marrant comme ville. En fait, je l'ai vu sur Miiverse. Il y a quelqu'un qui l'avait posté. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller visiter cette ville. Elle a l'air vraiment sympa. Il y a plein de trucs que je m'y attendais pas. Regardez ici, il y a les... Les fameuses Rafflesia pour les mouches. En fait, j'ai vu qu'une photo pour le moment. C'était, je crois que c'était vers la maison du maire. Ouais. Enfin, je dis ça parce qu'il y a, ouais, il y a qu'une seule maison en fait. Ouais. Tout juste 100. Attends, parce que là, j'étais en train de regarder un film. Ben voilà, je l'ai eu. Donc c'est grâce à... faudra que je sais plus le pseudonyme, je le regardais après. Parce que c'est une personne qui m'avait prêté son safari justement pour. Alors j'avais une idée marrante, c'est de l'attraper à la scuba du fait qu'il avait du bleu sur lui. Ça fait bizarre pour un Pokémon de feu, mais bon. Bon après j'ai fait ça avec Ponyta, donc... Enfin le deuxième Ponyta, bien sûr. Voilà. Je trouve que ça lui va bien. Donc voilà. Alors je vais tout de suite aller lui donner son surnom. Voir c'est qui, hein. Attention. Mouh. Attends, je rêve. Mouh. Oh, d'accord. Ah, d'accord. Le jeu... Je t'aime. Mais, attends, sérieux, le jeu l'a fait exprès, c'est pas possible. C'est le premier habitant à venir dans le camping parce que je l'ai construit hier, en fait. Et c'est Cédric. Et j'ai bien fait de faire partir Joachim. Je pourrais le prendre trop bien. Ça me fera deux paresseux parce que j'ai déjà Colvert, mais bon. Elle est là. C'est une fille. Elle est... Oh, on a les mêmes yeux. C'est... Serena. J'arrive pas à lire correctement, en fait. Mais elle vient de la ville Disney. Je vais dire salut quand même. À condition que ça veut bien, bien sûr. Voilà, je mets mon stylet devant vous. Ouais, on n'est pas original, mais c'est pas grave. Oui! C'était rapide. Ah, Dieu, déjà? Attendez. Ah. Ouais, ça a dû... Bah oui, vu que j'ai arrêté au début, ça a dû faire que de rencontres sur la vidéo. Voilà. Bon. Bah oui, sur sa deuxième forme, il a le ventre bleu, mais bon, ça... il a une couleur quand même spéciale. Hein. Donc, je sais pas si je l'attrape dans une scuba ou dans autre chose. Je vais quand même l'attraper dans une scuba, au pire. Comme ça ira bien, au moins à cette forme-là. Allez, rentre. Hé,
Et voilà. Bon, c'était couru d'avance en même temps, hein. Je m'excuse, mais pourriez-vous me laisser tranquille? Mais non, ça va. Allez. J'aimerais épouser Xavier. Voilà. Qu'en pensez-vous? Mariage, mariage. Est-ce que ça va fonctionner? Quel est l'endroit idéal? L'endroit idéal, voyons voir. Personnellement, je dirais le feu d'artifice parce qu'on n'a rien de chic pour le restaurant et le reste. Devrais-je me changer avant? Ben, je sais pas. Je vais quand même te changer. Je vais te remettre comme t'étais avant. Hein. Donc sans chapeau, ça ira. Voilà. Ton vêtement habituel. Je sais même pas comment je suis habillé. Ah ouais, moi je suis habillé en hiver, moi. Ma demande au bon moment. Pourriez-vous m'aider? Il n'y a pas de problème. Donc, Sylvia pense à moi. Faites-le-moi savoir, s'il vous plaît. Ouh, c'est trop mignon, le premier mariage. Ah ok. C'est dommage qu'il n'y a pas mon Cédric. C'était lui mon préféré. Bon, c'est déjà bien, c'est des habitants que j'aime bien quand même. Lico qui est quand même mon snob préféré. Christine qui est vraiment une adorable petite lapine. Et puis Colvert qui est quand même un canard sympa, ouais. Ouais, je sais qu'il faut soulever les bougies, c'est bien. Hein. On va quand même faire une petite photo comme ça. Merde, attends. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Ok, c'est parti, on va souffler les bougies. Enfin, ouais, faut que je clique d'abord sur le gâteau, voilà. Je sens qu'il va me dire une connerie, là. Voilà, c'est bien ce que je disais. Évidemment que je sais bien qu'il n'y a pas de mec là-dedans, qu'est-ce que tu crois? Il est trop petit. Ah, à moi qui est... Ah non, non, j'arrête. Ah oui, là, c'est le truc le plus chiant à faire. Là je vais faire pause, hein, bien sûr. En fait, je viens de faire une grosse connerie, oh non. En fait, j'avais pourtant, sans faire exprès, j'ai cliqué sur B, mais je crois que ça a validé pour Lico. Ce qui fait que j'ai écrit n'importe quoi. Bon, ce qui fait que j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi le vœu, de toute façon, il y en a pas, en fait. La honte. Bon, il reste plus qu'à espérer que j'y arrive, hein, parce que... Et comment dire, ça n'irait pas trop avec l'appareil, là. Si je dois prendre une photo, c'est chaud, attention. Ok, j'ai quand même réussi. Ça, voilà. Bon, alors, j'ai déjà ces équipements. Alors, est-ce que ça... Non, ça a même pas déplacé mes autres chevaux. Elle s'est mise tout là-bas au fond, donc toi, on va être là. Vous voyez, ça a pas beaucoup changé. Donc, ce qui fait que pour le moment, j'ai 3 juments et un seul mâle. Voilà. Bon, le fait que j'ai choisi elle en femelle, c'était pour une certaine raison. En tout cas, elle est très très belle. Regardez comme elle est magnifique, la Raven, le prune. On va monter sur elle, voilà. Mettre ses équipements. Allez, c'est parti. On va voir si elle est bien rapide. Hein. Ouais, elle a quand même une certaine allure. Hein. Donc évidemment, maintenant, en argent, il doit me rester dans les 1000. Vu qu'entre temps bah, j'avais acheté l'autre jument, vous avez vu, parfois certains équipements. Bon, après, grâce aux pièces classiques du jeu, hein, les coins, on va dire assez, j'ai quand même su prendre sa selle hein, sans avoir besoin d'utiliser des star points, donc ça c'est plutôt cool. Parce que j'ai 3 petits animaux, hein. Donc l'abeille que vous avez vu au début, le papillon et j'ai aussi le chat qui est en haut. Ah oui, j'ai oublié de dire que... Bon, les noms, c'est... je me suis pas trop... Enfin, si, j'ai fait des noms logiques, hein. Abeille, miel. Le papillon, c'est elle. Elle est délicate, voilà, ça me revient. Et le petit chat, c'est juste Miss Douce.
Pour bien me dire que c'est une petite femelle, voilà. Donc elle est comme ça, la petite mousse. Voilà, je vais grimper sur l'arbre chat, ça sert à rien. Attends, je vais faire ça exprès. Eh ben c'est parti. Voyons voir. Est-ce que je peux le faire là? Ok. Oui, ça va être dur là. Bah non, je peux pas. Je peux toujours faire comme ça, mais... Voilà. J'ai pas fait gaffe, mais oui, je pouvais faire comme ça. Ouais, je peux pas aller plus bas. Donc on va faire là. Mais non, je suis bête, je peux... Non, c'est vrai que des fois, c'est chiant, hein. On va faire là. Voilà. Parce qu'il y en a, on peut pas vraiment les faire, en fait. On va faire ça en entendant. Non, je suis bête. Voilà. Je sens que je vais galérer. qui est l'honneur. Donc, les honneurs, j'en ai 30. Parce que j'ai quand même fait la fameuse tactique d'aller dans le magasin avec les réductions et tout pour dire de les avoir gratuitement, façon de parler. Mais bon, j'ai pas envie de le faire jusqu'au bout parce que ça reste quand même assez chiant à faire. Hein. Donc allons-y, je devrais pouvoir l'attraper facilement dans cette boule, donc... De toute façon, c'est trop tard, elle est paralysée. Ah, elle va tenir le coup. Ouh. Ça va être long. Elle va me résister. Elle a empoisonné mon Pokémon. Faudra que je fasse très attention, parce que je crois qu'il va mourir facilement, parce que c'est quand même fragile, la Colorior. Allez, rentre là-dedans, ma belle. Je te veux. T'es une fille, je te veux. Je le savais, saloperie. Elle va me résister, la saloperie. Ouh, oui. Heureusement que j'ai d'autres Pokémon. Enfin, d'autres. Ouais, c'est quand même une équipe entière. Bah, tous les autres, c'est des rondoudous et un infali. Hein, ah, critique, c'est la toute première, tiens. Et ce qui fait que je l'ai eu. Merci, la critique. Heureusement que t'étais là, parce qu'elle était relou. Seems green on the other side. The stars shine by, but only when it's night. We all have wings, but no one's to fly. Counting time. C'est une temps que je voulais une petite boucle, mais bon. C'est vrai que. Je vais pas me casser la tête pour le loup, mais je pense que je vais me prendre. Comme ça, ma femme. C'est le coup. Je crois que je vais comme ça sur un jeu. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça lag un peu. Ouais. Et donc, j'ai pas vu de la même manière. Bon, c'est vrai que je me fais plus de ça, mais c'est sûr. Ah, ça me fait moins bien sur la main avant que ça soit simple. Bon, après, c'était plus de voir parce que je voulais pas trop clair parce que sinon. Une fille, ça met que 2 cils. Bah, vu les petits yeux qu'elle a, tu me diras. Parce que de base, ça met 3 cils. Donc... plutôt. Autant pour moi. En fait, il fait les deux. Bon. Elle pleure là. Ça y est. Enfin, pas vraiment pleurer, mais je veux dire, bon. Elle commence à craquer, quoi. Craque. Tu craques. Ah, on l'a perdu. Voilà, t'as perdu.
C'est bon, je peux enfin avancer. Parce que là, franchement, même si je peux pas encore courir. Voilà, on va aller voir Oasis. À l'attaque. Voilà, il est tout beau. Non, mais j'aime bien les couleurs du Pokémon, donc ça va quand même. Même si j'aurais préféré que ça tombe sur un autre. On est à cheval, l'avantage c'est qu'il y a un bouton pour permettre de directement aller au trot ou au galop. Ah ouais, et là en revanche je suis en train de donner des pommes au cheval, parce que le premier cheval qu'on a, on est obligé de lui donner des pommes, parce qu'on est obligé de faire les premières compétitions avec lui, vu que c'est notre premier cheval, forcément. Donc évidemment, là on voit que je monte dessus, et on voit que je suis loin d'être la seule à avoir ce cheval d'ailleurs. Ah, on peut même voir une fille qui a un noir. Le noir, c'est un peu commun. Donc il est juste un petit peu plus rare que les autres. Bon, évidemment, comme c'est pas ma première tentative du jeu, je connaissais déjà les boutons. J'avais déjà réglé les boutons aussi pour certains trucs. Parce que j'aurais sans doute pas les mêmes personnages, forcément. On va voir qui y aura. Ok, alors déjà, il y en a un que je reconnais, c'est le petit vampire, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que c'est un vampire. Présenter un nouvel élève, Rana. Voilà, ça. Bon, je sais que j'ai déjà eux. Je crois qu'elle, c'est un petit oiseau. Je l'avais dans mon mobile aussi. Ah, super. Ça va bien se passer. Attention. Ouais. Ok, c'est bon. Vraiment. Je viens de seulement remarquer qu'il marquait les noms des stages, parce qu'avant il le faisait pas, mais... Je me rappelle très bien celui-là, faut éviter de toucher l'eau. Il va attendre que ça passe, hein, bien sûr. Voilà. Oula, non, 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 non. En fait, j'ai oublié qu'il y avait le tuyau. Mais je suis vraiment nouille, hein, aujourd'hui. Ah bah écoutez, ça commence bien, hein. Hop. Donc là, je dois attendre, bien sûr. Quoique, j'aurais pu... En fait, j'aurais pas dû stresser. En fait, je pouvais rester à la chouette. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Mon cadeau ? Non, merci. D'accord. T'as dit qu'on allait au parc, maman. Dépêche-toi. D'accord, on va faire un raccourci. Oui, mais non ! Maman, tu me vois ? Mais non, regardez-moi. Mais ce n'était pas une bonne mère, en fait. C'est une bonne mère. Ah oui ? Ouais. Allons camper. Ah, parce que, en fait, dans mes besoins, c'est camper que je veux faire. Et tu veux une glace? Tu veux une pizza ou tu veux un café? Ah non, je veux aller au camping. Non. Mais c'est le jeu. Maintenant, je suis fatiguée. Voilà. C'est pas ma faute. C'est le jeu qui veut. Ah, c'est toi. Ok. Tu te rends compte qu'on fait de la balançoire avec la poussette? Oui. Où je te lâche? C'est quoi ce délire? Et il s'est quand même fait toucher, hein. Ah, il est là, oui, j'ai vu la fumée. Il a vu la fumée. Ah, ah, loup-garou. Bah, il bouge pas, en fait. S'il est là, regarde. C'est un loup-garou, ça? On dirait un rat. Oui, c'est un rat, loup-garou. En fait, il m'a tué, ça m'apprendra à vouloir trop le voir. Viens là, tu vois. Mais non, je suis morte. Bah, ça m'a fait perdre, hein. Quand tu es là, mais il est coincé. Mais pourquoi je tombe que sur des débiles? Et en plus, il perd du sang. Enfin, non, il perd pas du sang, pardon. Je veux dire qu'il a tellement tué de personnes qu'il a du sang sur lui, en fait. Voilà. Non, parce qu'un train, ça saigne pas. Hein. Je dis vraiment n'importe quoi. Bonjour Thomas. Ça va? Tranquille. Il me regarde en plus. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Bah, en fait, pour le moment, je gagne, mais c'est trop facile, en fait. Les monstres, ils sont bloqués. Là, elle est dans le billard. Moustachio, elle est là-bas. Ah, je crois qu'elle va nous rejoindre. Moustachio, tu dis ça, tu la connais même pas. Elle fait genre qu'elle la connaît, alors qu'elle la connaît même pas.
oui, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais sans doute le faire exprès de le mettre dans la description vu qu'elle était là. Donc, même si c'était pas prévu qu'elle soit là, mais vu qu'à la base on jouait qu'à deux, mais. J'ai pas vraiment de youtubeur préféré, mais bon. Coucou. Tu sais qu'elle nous entend pas. En vrai, il y a quelqu'un qui a dû salut, salut, oh oh. Bon. Ça doit être un abonné à Moustachon. Elle parle français? Bah évidemment. Bah, si je connais sa chaîne et que je comprends ce qu'elle raconte. C'est des lingots d'or. Waouh, d'accord. Mais après, c'est toujours le même principe, c'est juste les objets qui changent. Attends, vite, vite. Waouh, ah oui, d'accord, c'est des lingots d'or. Waouh, d'accord. Mais après, c'est toujours le même principe, c'est juste les objets qui changent. Attends, vite, vite. Et après, on a des cadeaux à chaque fois, en fait. Donc, on va voir si je peux réussir à avoir le cadeau. Si j'avais découvert qu'il y avait Follet sur mon île le soir, donc je suis partie à l'aider, parce que je sais très bien que le but, c'est de l'aider après lui avoir fait peur. C'est un peu bizarre, mais c'est ça le jeu. Mais bon, ça reste assez amusant. Donc évidemment, il va croire que je suis un fantôme, donc de peur, il va devenir un feu Follet. C'est vraiment ça, en fait. On peut dire qu'il porte bien son nom. Donc c'est là qu'il va me demander de récupérer ces 5 esprits, en fait, qui sont un peu partout sur mon île. Donc je dois les attraper avec un filet, tout simplement. Ouais, j'ai toute ma box pour moi tout seul, ouais. Allez, bon. Yes, liboté, on a déjà dit que t'avais une belle crinière, ma chupette. Je suis un mâle, en fait. Ah, autant pour moi. Et toi, ma beauté, t'es une demoiselle. Ok, parfait. Wow. Non, je sais pas, en fait. Oui, j'exagère, mais je sais même pas ce qui se passe, en fait. Je dois aller là? Ah. Ah. On est à deux. Ah non, c'était un bug, en fait. Oh mon dieu. Je suis au paradis. Non, je sais pas, en fait, c'est bizarre. Ah, c'est pour avoir un chapeau de cow-boy. Wow. Donc là, c'est le moment où j'ai voulu battre mon record. Et comme vous pouvez le voir, c'est parti à 9. Donc c'est le plus gros nombre que j'ai pu faire. Le problème, c'est que j'ai voulu réessayer d'avoir un dixième, mais j'ai pas eu le temps. J'ai voulu faire vite. Oui, j'ai fait ça, j'ai mis de la nourriture, mais j'ai pas eu le temps. De toute façon, j'avais pas le temps. Donc j'ai quand même pêché le poisson, mais ça m'a pas donné le point. Ça a servi à rien. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien que j'étais à 9 poissons. Donc évidemment, j'ai été lui reparler. Pour savoir qu'avec 9 poissons, ça m'a permis d'avoir combien de points. Donc les 9 poissons, ça fait 11 points. Voilà, pour 9 poissons, bon, c'est pas mal. Donc ça permet d'avoir au moins un cadeau parce qu'il faut 10 points à chaque fois. Donc ça, c'était les 3 premiers objets que j'ai eu. Donc entre temps, j'ai eu aussi un t-shirt et d'autres trucs que j'ai déjà oubliés. Allez, un petit dernier et c'est bon. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. Ouah, un panneau pour nous dire où on doit aller. Wow, non, sérieusement. Alors, on va soit à la montagne et au lac ou l'autre côté, j'ai pas compris. Oh, il y a un ours. Regarde, il y a un ours. T'as vu? Sur le rond-point. Je te jure, il y a un ours. Avance, tu vas voir. Je suis sûr, on connaît son fleur, elle va l'écraser. Elle est là-bas. Oh, non. Allez. Oh, non.
psychopathe. Mais non, rentre, il va te bouffer. C'est pour ça qu'on a du spray, parce que c'est la première fois qu'on a un ours en fait dans le jeu. Donc, parce que dans le jeu, en fait, on a un spray anti-ours pour pas que les ours arrivent en fait. Ben. Je veux avancer, ça fait zéro. C'est peut-être à cause de l'ours. Ouais, c'est peut-être à cause de l'ours. Vous allez mourir par un ours. Je sais pas. Moi, ouais, j'imagine qu'il peut. C'est enchanté. Il va vous sortir. Ouais. Tu sais, Flora, on s'appelle pas Martin. Mais regarde mes mains. Oui, je... en fait, ça fait tout seul. Il va tout seul. Mais on s'appelle pas Martin. Allez, sors de là. Mais... Purée, ah, ça cause de moi. Oula, ah oui, ça bug de mon côté. Comme je suis sortie, maintenant, je te vois arriver derrière en mode.